Hey, Denis! Une petite frette, mon Denis! Ah ouais, donc. Denis, quoi de neuf? Ben, il y a peut-être du développement dans le cas de mon fils. Bon, il a décidé d'arrêter de dire qu'il aspirait à l'exaltante carrière de notaire. Non, mieux que ça. Il a commencé à fréquenter une fille. Julie, qu'elle s'appelle. Il s'est fait une blonde? Ah, tu sais comment est-ce qu'il est? Lui, il dit que c'est juste sa copine, là, mais il me dit qu'il était quand même intéressé. Hein? Tu dois être soulagé, hein? Pas encore. Il s'est encore rien passé entre eux autres. Ben oui, mais t'es trop bien pas pour reprocher à Nico de vouloir montrer à cette petite fille-là les beaux aspects de sa personnalité avant le contenu de ses bobettes. Mais justement, c'est ça sa pire chose à faire. Parce que si tu lui laisses le temps de s'apercevoir que t'es un gars sensible, respectueux puis généreux, là, ce qu'elle va faire, elle va s'organiser que puis c'est jamais qu'on s'ensemble. Puis qu'est-ce qui va arriver? Elle va vouloir que vous soyez juste des amis, rien d'autre. Es-tu en train de me parler du syndrome du bon gars, Denis? Pas de ça. S'il s'avérait que mon fils soit un bon gars, ça voudrait dire que j'aurais complètement raté son éducation. C'est quand même pas un cas désespéré, là. Ouais, mais gars, hier, OK, j'y prête mon char pour qu'il aille au cinépark avec sa petite copine, là. Ben, tu sais, qu'est-ce que ça représente pour moi qu'un cinépark? Bon, tu vas encore me raconter au cinépark de Val-d'Or, il y a 17-18 ans, dans Pinto, du père de la fille en question, là. En tout cas, toujours est-il que j'y paye le cinépark, mais sais-tu qu'est-ce qu'il a fait, ce maudit pas d'allure-là? Il a écouté le film au complet. Viens-tu te perdre 30$, moi, là? Oui, ça me fait plaisir. OK? Bon, bye. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ah, oh, ma soeur est malade, là. Puis elle a personne à qui confier sa fille. Fait que là, je vais être pognée avec ça, là, une couple de jours. Ça a l'air de te faire plaisir. Hey, j'ai-tu le goût, moi, de torcher ça, cet enfant-là? Tu sais, le pâble homme, là, les couches pleines de garcas. Elle a quel âge? 10 ans. Roxane, les enfants ont plus de couches à 10 ans. Ah, non? Non. Oh, ben, tu me rassures, hein, parce que là, je viens de faire ma pose de vernis, moi, là. Fait qu'elle aurait été obligée de s'organiser tout seul, là. Si je comprends bien, tu la vois pas souvent. Ben écoute, ça me tente-tu, moi, de me tenir avec la seule personne au monde qui me considère comme une matante? Tu vas me dire que t'as pas de cœur puis que t'es incapable de la moindre tendresse pour une petite fille de 10 ans? Ben oui, voyons, c'est sûr, là, je suis capable de tendresse pour une petite fille de 10 ans. Bon. Oh, d'ailleurs, je vais te le prouver tout de suite, là, je m'en vais la chercher puis je la ramène ici, hein. Au fait, t'as-tu le journal de ce matin, toi? Pourquoi? Ben là, c'est parce que je vais mettre de la gazette sur mes bandes d'auto, là, au cas où elle s'allie. Oh, minute! Je dérange-tu, moi, là? Mais non, voyons. Ah, là, parce que je peux revenir plus tard, hein? Hey, je te dis que non. Ah, viens, je vais te présenter. Ah, ouais. Fait que ça, c'est mon papa, Denis. C'est Julie. Enchantée. Enchantée, Julie. Là, Nicolas, j'espère que tu as fait visiter la maison, là. Ta chambre, pis tout, là. Non, commence pas, là. Ouais! Quoi, là? Tu sais que ton père s'installe confortablement, j'aime ça prendre un peu de place. Tu vas venir t'asseoir à côté de ta petite copine, là, hein? Hé, toi! Pis, d'où c'est que ça vient, une belle petite fille de main? Ben, je suis née en région, mais j'ai grandi à Montréal. Ah, bon, là, donc tes parents sont de l'extérieur de la ville? Ma mère, oui. Pis ton père? Ah, mon père, je le sais pas, je l'ai jamais connu. Ah, c'est triste, hein? C'est peut-être aussi bien de même. Il a profité de la naïveté de ma mère sans jamais penser aux conséquences, les cœurs. Hein? Ah, ouais? Ouais. Au cinépark de Val d'Or, dans la Pinto de Montréal. Ça serait passé au cinéparc de Val-d'Or. Ben oui. Vous êtes déjà allé? Non. As-tu les yeux bruns, toi? Ah non, bleu. Ah. Comme ma mère. Ah. Pourquoi?
Non, pas rien, oui. Tu perds-tu tes cheveux? Hein? Pardon? Oh, laisse faire, laisse faire. C'est-tu tes dents naturelles? Ben oui, mais décide! Sa rue, tu voulais pas que je te suive à moins de 50 pieds. Ben, tu sais, c'est parce que le monde, là, aurait pu penser que t'étais ma fille, donc que j'avais eu un enfant, puis que j'étais pleine de vergetures. Franchement, ma tante. Hey, je t'ai déjà dit de pas m'appeler de même. Ça me coûte déjà une fortune, là, pour pas avoir l'air de ça, une ma tante. Ouais. Ah! Bonjour, Émilie! Bienvenue à Kilomètre 1! On avait hâte de te voir. Tu sais que Roxane nous a beaucoup parlé de toi. Moi aussi, elle m'a beaucoup parlé de vous. Ah oui? Ouais, pas vrai? Ah, ben oui. Fait que c'est elle qui t'appelle la bonne femme Pittsbury? Ben non, c'est une farce. J'espère. Oui. Ah, oh, puis lui, ça doit être le maniaque sexuel. Ou c'est peut-être le clown schizophrène. Ah ben, moi, d'après moi, ça doit être le deuxième, parce que le premier, ça, c'est Denis Charest. Hein? Pas vrai, ma tante? Ah, bon, regarde, Émilie, je t'ai pas emmenée ici, là, pour empêcher mes employés de travailler, fait que vous autres, là, à vos bureaux, hein? Oh, bon. Puis moi? C'est quoi, puis toi? Ben, je fais quoi? Ben là, occupe-toi des affaires d'enfants, là, joue, bave, fais un autre titre, quelque chose. Franchement, Roxane, elle a 10 ans. C'est plus une enfant, c'est presque une adolescente. Ben, occupe-toi des affaires d'ado, d'abord. Chiale, déprime, fan fugue. Roxane. Bon, garde, là, tiens. Tiens, prends 20 piastres, là, puis va fumer en cachette. Là. Bon, ben, bye. Bye. C'est drôle, hein? C'est comme si j'avais pas le goût de m'en aller. Oh. Puis moi, de te laisser partir. La grippe est mauvaise, hein? Nicolas, je veux pas te faire peur, mais je pense bien que j'ai dû t'adonner. Fais bien attention pour pas infecter ta petite copine. Non. Ben, désolé, hein? C'est correct. Bye. Bye. Oh. Hey, es-tu assez belle? Ça dépend des goûts. Quoi? T'as trouves pas belle? Dis, Nicolas, dis, il y a des filles, des fois, qu'on trouve belles, mais qui sont vraiment, mais là, vraiment pas faites pour nous autres, hein? Bon, qu'est-ce que tu veux dire? Non, les gars, je prends un exemple complètement au hasard, mais mettons, Mélanie. Ben oui, mais pas, c'est ma sœur. Ça tombe drôle, hein, pareil. Non, ce que je veux dire, c'est que, mettons que c'était pour aller plus loin, Julie pis toi, là, mais vous seriez peut-être en train de gâcher une belle amitié, t'sais. C'est vrai, peut-être que Julie est peut-être plus comme une sœur pour toi, t'sais. Non, je pense pas. Comment ça? Mais pas. Oh, je suis en amour! Comment ça, t'es en amour? Tu veux pas savoir, t'as jamais été. Mais là, mais je pense tout le temps à elle. Et quand t'es pas dans mon champ de vision, là, je m'ennuie. Je capote quand elle m'appelle pas. Non, je te le dis, là, pas. Je la désire. Non, mais aimer les femmes, là, ça veut pas dire manquer de jugement. On la connaît pas, cette fille-là. On sait même pas c'est qui son père. Elle a peut-être des gènes d'un bandit, elle. Ah, ben ça, on va être fixé bientôt, hein? Je viens d'entreprendre des recherches sur Internet. On va le trouver, le mot de chien sale. Ma tante! Je t'ai dit de pas m'appeler de même. Roxane, d'abord. Qu'est-ce que tu veux, là? C'est parce que je pense que j'aime pas beaucoup ça, le caviar. Mais oui, mais moi non plus, là, j'aime pas ça. Le but, c'est pas d'aimer ça, là, c'est de te vanter que t'en manges. Mais c'est quoi, au juste? Des œufs de poisson. Ah! Oh! Oh, tu veux dire que la maman poisson fait un peu comme la poulette grise? Hein? Ben oui, celle
qui a pondu dans l'église un beau coco pour l'enfant qui va faire dodo? Ben, non. Bon, ils les vendent, là. Puis là, ben, ils font de l'argent avec les œufs, puis du manger à choix avec elle. Ah. Roxane? Quoi? Comment naissent les enfants? Dans les cris, le simple la douleur. Ah. Roxane? Quoi? Qu'est-ce qui arrive quand on meurt? Ben, tu maudis dentaire, là, puis tu pourris, là. Ah. Hey, Roxane! Oh, allez! Tu finis avec tes questions, là! J'essayais d'avoir ton attention. Essaie pas de me prendre dans les sentiments, là. J'en ai pas. Roxane, ma mère dit tellement souvent que si t'es la seule qui a réussi dans la famille, c'est grâce à ton sens des valeurs. Oui, ça c'est vrai, là, faut bien dire. Fait que pourquoi t'acceptes pas de le partager avec moi, ce sens des valeurs-là, hein? Bon, je veux bien essayer. All right! OK, on commence par quoi? La générosité, la tolérance? Oui, on pourrait, c'est sûr, mais bon, je te regarde, là. On va commencer par Gap, puis on continuera chez Old Trendfruit. Hein? Au cinéparc de Val-d'Or, dans Pinto de son grand-père? Ça a l'air que oui. Denis, es-tu en train de me dire que Nico aurait sa propre sœur dans l'œil? Quelque chose de même. Mais Denis, c'est bien fucké! C'est un hasard quand même, là. J'espère que tu réalises que cette situation découle directement de tes mœurs dissolues. Hey, jamais dans le doigt. Je suis venu ici pour avoir des conseils, pas me faire caler. N'empêche! Ça n'arrivait pas des affaires de même dans le temps. Le Québec d'autrefois était moralement propre, peu de tout vice et bâti sur des mœurs saines. T'ai-je déjà parlé de la vie dans mon village, Denis? Non, mais je sens que ça va venir. Je me souviens du mariage de ma cousine. Une petite langlois du côté de ton père? Non. Une petite langlois du côté de ma mère. Elle convola en juste noce avec Maurice, le fils du propriétaire du magasin général, M. Langlois. Étaient présents à la noce le docteur Langlois, le notaire Langlois, ah, M. le maire Langlois et bien sûr les Langlois du 5e rang et ceux du 6e, du 7e et du 8e. À bref. Que retenez de cette cérémonie? Sinon, ce moment de pure émotion où le curé ayant dit « vous pouvez vous embrasser », les deux jeunes mariés s'approchèrent tendrement l'un de l'autre et unirent leurs becs de lièvre respectifs. Germain, il n'y a pas de consanguin par chez vous, hein? Ben non, voyons. Sinon, ça paraîtrait. Ben, envoie, arrête de traîner, là. Elle est élégante, tout à coup, hein? Ben, c'est une manière de voir ça. Roxane? Oui? Est-ce que je peux t'emprunter un de tes accessoires de bureau? Oh, ben oui, sers-toi. Oh, t'es gentil. Regarde mon petit pire. J'ai 3 boîtes de Smarties, là, sauf que j'haïs les rouges. Ça me prendrait quelqu'un les enlever, histoire que je puisse déguster mes Smarties sans avoir peur de tomber sur un rouge. Oui, mais c'est parce que moi, j'ai un article à terminer. Je peux le dire à Roxane aussi, hein? Non, c'est correct, je vais le faire. Faites pas ça! Mais là, qu'est-ce qu'il y a? On fait rien de mal? C'est immoral! Hé, là, pas, je te suis plus, moi. Tu sais, t'as toujours trouvé que je me déniaisais pas assez vite, puis là, tout d'un coup, tu t'énerves pour un petit bec. Un petit bec? On aurait dit que vous étiez en train de vous brouter les amygdales. Hé, ma mère est pas cette cop de même, en tout cas. Je le sais. Comment ça? Elle s'appelle Liette, ta mère? Liette Sauvageau? Oui, vous la connaissez? Oh, c'est donc vrai.
Écoute, Julie, moi, tout faire pour m'apprendre, OK? Je suis même prêt à payer des études. Hein? Je comprends pas, là. Ouais, non, moi non plus, là. Ouais. J'ai quelque chose à vous raconter. Ça s'est passé en 1981, à Val-d'Or, au cinéparc de Val-d'Or, dans une Pinto. Il y a un gars qui était de passage dans la région, puis cette journée-là, ben, il a profité des sentiments que Liette Sauvageau avait envers lui pour... Il en a profité pour... Ben, vous savez quoi, là? Puis? Ben, puis, la fille avait juré qu'elle avait jamais aimé un homme autant que ça, puis lui, il avait juré qu'elle allait venir la rechercher. Puis, finalement, ben, il a jamais rappelé, puis il est jamais revenu la chercher. Puis, ce gars-là, là... Ben, ce gars-là, là, c'est... Ben, c'est... Et c'est... Mais c'est un humoriste qui est en tournée. Quoi? Oui, maman me l'a dit. Puis d'ailleurs, je sais pas c'est qui vous a raconté l'histoire, mais il y a une petite erreur. Ça s'est pas passé en 81, mais en 82. Moi, je suis née en 83. Ah ouais? Mais quand tu disais vouloir te racheter par rapport à Julie, tu parlais de quoi? Ah, c'est juste que je trouve que j'ai pas été bien recevant depuis que t'es arrivé, hein? C'est... Ben, pour les études, étiez-vous sérieux? Pour ce qui est de payer tes études, là, ça se trouvait comme une joke, une farce, comme une joke d'humour, tu sais. D'ailleurs, parlant d'humour, es-tu sûr de ça pour concernant l'humoriste? Là? Ben là, c'est pas parce que j'ai pas connu mon père que je sais pas c'est qui. Ah, c'est qui? Ben, tu sais, là, le gars qui se déguisait en habitant avec un chapeau de paille et des barniques pour faire des... Et ça. Bon, ben voilà, c'est fait. J'ai séparé les rouges. Parfait, tu peux faire les bruns, Rasta. Ben là, Émilie, peut-être que Jean-Louis a autre chose à faire. Toi, la secrétaire, on t'a-tu sonné? Je ne suis pas secrétaire, je suis directrice du marketing. Hey, on rit plus, hein? Ça donne-tu le vertige d'être aussi haut dans le chaise social? Émilie! Ben voyons, Sylvie, fais des farces. Non. C'est très, très sympathique, ton petit côté plèbe. Juste un petit conseil, par contre. Ah, lequel? Si t'as pas les moyens de t'acheter du parfum autrement qu'en spécial chez Jean Goutu, mets-en donc pas. Oh, Roxane, ta nièce est rendue insupportable, t'as créé un monstre. Je t'ai acheté du McDo comme tu me l'avais demandé. Non, tu m'as mal compris. J'ai pas demandé que tu m'achètes du McDo. J'ai demandé que tu m'achètes un McDo. Oh, ben là! Bon, regarde, pour te faire pardonner, là, va donc me chercher les souliers qu'on a vus au magasin. Mais là, pas les souliers italiens à 500$. Écoute, garde-le, ma chouette. Hein, t'as pas fini de grandir. Je les veux. Ben oui, en mais. En rouge. Ben oui, rappelle-toi, il y en avait plus en rouge, là. Il faudrait les faire venir de Milan, puis ça prendrait une couple de mois, là. Trop long. Ben, regarde, Émilie. On les cherchait en Italie. Ah, oh ben, tu les auras pas. Je les veux. Tu les auras pas. Je les veux. Tu les auras pas, bon. Parfait. Tu t'expliqueras avec les autorités concernées. Mais qu'est-ce que tu veux dire, là? Mais... Allô? La DPJ? Me l'enlever parce que je veux pas y acheter une paire de souliers à 500$. Peu importe la hauteur des attentes que les enfants ont à notre égard. Quand on les bafoue impunément comme vous l'avez fait, madame, cela s'appelle de la cruauté mentale. Pas vrai, ma petite Émilie? Oui, c'est vrai. Excusez-moi. Une minute. Allô? Quoi? Un adolescent qui a fait une fugue parce qu'il a été tapoché par un père alcoolique et violent? Non, mais regardez, c'est parce que je suis sur un cas urgent, moi, là. Oui. Rappelez-moi donc plus tard. Insignifiant. Viens-t'en, ma petite chouette, viens-t'en. Oh, tout en sécurité, maintenant. Tu la reverras plus, la méchante. Oh, ben là! Bye! Oh, ben... Ma tante! Hein? Ben,
Voyons, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui devait se passer, le monstre s'est retourné contre le docteur Frankenstein. Puis c'est tout ce que Roxane méritait. Ben là, je te suis pas, là. Ben, on verra plus Émilie. Hein? C'est pas vrai! Dis-moi pas, j'ai tout fait ça pour rien! Quoi donc? Ben ça! Ah, si, j'ai sérieusement pensé que ça devait être ma fille. Me semble. On sent ça, ces choses-là, puis c'est d'un côté comme de l'autre. Là. Tes parents, tu sens quand c'est tes parents. J'espère que c'est pas encore lui. Qui, ça? Un vieux monsieur. Il arrête pas de m'appeler. Il me dit qu'il est descendu du Saguenay spécialement de me rencontrer. Puis... Qu'est-ce qu'il te veut? Aucune idée. Oui, allô? C'est encore moi, M. Bouchard, ouais. C'est juste qu'il faudrait quasiment qu'on se rencontre, hein? Ouais. Mais non, ce que j'ai à vous dire, c'est embêtant de dire ça comme ça au téléphone, hein? C'est juste que, vous savez, il y a une quarantaine d'années, j'ai bien connu votre mère, ouais. Je dirais même que je l'ai bien connue, ouais.